juste un peu, je vous propose d'acclamer très fort celui qui va arriver. Regardez cet artiste. Regardez, il s'appelle Ngaso. Un petit magicien, je peux créer Ngaso. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Ngaso? Merci. Est-ce que ça va? Ah, ça ne va pas. Moi, en réalité, vous avez suivi tout à l'heure, j'ai fait trop de spectacles. Et je vous ai dit, même Sergio Polo a continué à annoncer ce spectacle dans sa chanson. Vous écoutez, il dit, bois, Ngaso. C'est de moi qu'il parle. Il parle du spectacle que nous allons faire. Comme si cela ne suffisait pas, il y a un autre qui est sorti loin du Nigeria. Et lui aussi, il m'a appelé parce que nous sommes allés ensemble là-bas faire un autre spectacle. Et dans sa chanson, il a dit « Any day I think in Ngaso for my ghetto, bam, 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 bam. » Ce ne sont pas les blagues. Je suis sûr que les gens ne me connaissent pas. Vrai, les gens ne me connaissent pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis jumeau. Mais mon frère jumeau est mort. Je suis resté seul. Sérieux, trois doigts en l'air. On se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Si je manque, voici mes trois doigts en l'air. Deux gouttes d'eau. Quand on était à l'école, encore sur les bancs, parfois il bavardait même. Dès que le maître se tournait, c'est moi qui venais pour ce con. Tu bavardes pourquoi? Et après cela, il est même allé dévaliser une banque avec ses amis. C'est moi qu'on est venu mettre en prison. Je me suis fâché, après 2 ans de prison, je suis sorti. Moi aussi j'ai joué, j'ai fait une fausse mort. C'est lui qu'on a enterré. Aujourd'hui, c'est moi seul qui reste. Et puis en réalité, je vais vous dire quelque chose. Les gens ne comprennent pas. Et comme je n'ai pas trop continué l'école, parce qu'après avoir fait 2 ans en prison, c'était pas facile pour moi de continuer l'école. En réalité, j'ai regardé beaucoup de choses. La langue française nous trompe beaucoup. Même les gens bien nés qui sont là-bas, qui ont écrit ça, nous trompent. Sérieux. Ils nous ont dit en français, trois doigts en l'air, ils ont écrit que la première idée est toujours la meilleure. Un jour, moi, j'ai soif. Je pars m'asseoir dans un bar. Et vous savez, il y a déjà les multiples bières qui gagnent là dehors, partout. Et je me dis, il faut que je gagne. Mais dès que j'ouvre la bière, tchac, je crame le bouchon, ouah, on écrit là, essayez encore. C'était ma première idée là-bas. La langue française nous trompe, hein? On a seulement accepté ça parce qu'il fallait dire oui à l'époque pour aller en classe supérieure. Sérieux? Ils ont même dit que H-O-2-M, ça se lit homme. Les dupons a écrasé ça, elle est venue dans sa chanson, elle a dit, où sont les os, où sont les os, où sont les os, où sont les os. La langue française, ah non, les gars nous ont trompés. On a seulement accepté ça parce qu'il fallait dire oui pour aller en classe supérieure. Les mêmes gens ont écrit dans la Bible, l'homme ne portera jamais les vêtements d'une femme. Ainsi que la femme ne portera jamais les vêtements. Mais quand vous regardez le film de Jésus, que eux-mêmes les blancs ont tourné, Jésus a porté quoi? La langue française est compliquée. Ils nous ont trompés avec le français. On a dit oui parce qu'il fallait accepter pour aller en classe supérieure. Sérieux, les mêmes blancs ont écrit. Ils ont même dit que Magellan a fait le premier tour du monde. Vous l'avez vu à Bakoussa? Vous l'avez vu à Bamenda? Vous l'avez vu à Douala? Il faisait ça où? Non, mais ils nous ont trompés. Ils ont écrit en gros caractères. Ils ont dit même, ils ont écrit ce que vous ne comprenez pas. Les gars ont écrit tout un tas de choses. Les blancs ont même dit que l'alphabet français a 26 lettres. Au moment où ils arrivent, suivez. Au lieu de dire que l'inspiration est terminée, ils prennent la peine de nous dire W. C'est une lettre, ça. Mais ils ont doublé, mais pourquoi au début n'ont pas commencé par double A? D'abord, même que le double V qu'ils nous ont donné n'a pas de valeur. Quand on dit le wagon, on écrit avec double V, non? On lit avec quoi? Avec V, ça veut dire qu'on pouvait écrire wagon, on quitte dessus. Quand on dit le fourri, on écrit avec double V, non? On lit avec quoi? Ça veut dire qu'on pouvait écrire fourri
dit avec le homme qui te suit. Les seules personnes qui peuvent nous dire que l'alphabet français a 23 lettres, ce sont les nordistes. Chez le nordiste, le V devient double V. Quand un nordiste veut dire voiture, il dit voiture. Quand un nordiste veut dire je, il dit zé. Quand un nordiste veut dire parfum, il dit farfin. Bon, mais c'est vrai qu'il y a aussi les bassins, hein. Vous les avez déjà vus au stade. Vous attendez, manière, manière, tu me voles. Mais un bon république de voler. Reprise de voler devient république de voler. Vous avez connu Kodo? Fait à son âme. Kodo, à l'époque, était ministre de l'agriculture. Il arrive au nord, il rassemble tous les nordistes. Il prend la parole et il dit, je vous parle en tant que ministre de l'agriculture. Un nordiste se lève et dit, tu tires qui? Qui tire, on tire. Les blancs nous ont trompés. On a seulement accepté parce qu'il fallait dire oui pour aller en classe supérieure. Chez les Bamileka, alors c'est dangereux. Vous les avez déjà vus à la chorale? C'est bon jusqu'à... Vous entendez seulement? Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. J'avais dit terminer comme vous. Mais quand vous regardez les films des blancs dans lesquels les noirs ont les rôles, qui meurt avant? Ce n'est pas le racisme, ça. Quand vous-même, vous voulez laver vos vêtements, parmi lesquels il y a les vêtements blancs, vous commencez par lesquels? On dit toujours que trempe d'abord les blancs. Quand vous voyez une voiture blanche, les roues ont quelle couleur? Noir, non? Toujours le noir pour supporter la charge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai mis le blanc en bas et je piétine le blanc au nom de Jésus. Non, les gens ne comprennent pas. Les blancs nous ont trop trompés. On a seulement accepté parce qu'il fallait dire oui pour aller en classe supérieure. Je ne vous mens pas, même le tout premier blanc qui a cru en Dieu, le pape Jean-Paul II, quand il est mort, il a voulu se vanter au ciel, hein, mais il n'y avait pas moyen. Quand le pape Jean-Paul II est mort, il est arrivé au paradis, tchac, à l'entrée du paradis, il y a au moins 300 personnes. Et comme il sait que c'est lui le pape, il va entrer au paradis avant tout le monde. Et il commence à bousculer tout ce qu'il a trouvé. Parce que c'est moi le pape, c'est moi le pape, c'est moi le pape. Par malchance, il arrive en quatrième position. Devant lui, il y a un vieux, toujours un blanc. Le vieux là, sa barbe pouvait quitter ici, ça arrivait là où? La chaise est là. Quand ils vont se pousser le vieux lui dit, tu parles mon fils. Il regarde le vieux comme s'il dit, vous appelez qui fils? Vous savez qui je suis? Le vieux dit, ah, tu es qui? Il dit, mais c'est moi le pape. Le vieux dit, ça fait quoi? Moi je suis Moïse. Tu sais depuis quelle année je suis mort, je suis toujours là. Toi tu es mort, ça fait 3 semaines, tu viens dire aux gens que tu es le pape. Tu as vu le monsieur qui est couché là? C'est Abraham. C'est lui qui est directement devant moi, c'est parce que ses pieds ne tiennent plus debout, c'est pour ça qu'il se l'avance. Et puis je te rappelle que même Jésus vient d'entrer et c'est même pas en faveur. Parce qu'il est le fils de Dieu. Quand il dit récupérer ta place derrière. 2 mois après, quand le pape arrive dans la chambre de Jésus, il voit les pendules au mur et il dit, hé, Jesus, tu vends déjà les pendules? Jésus dit non. Toutes les pendules que tu vois au mur là, c'est pour tout un chacun qui est sur terre. Et ça s'affiche selon le nombre des péchés. Le pape lui dit que bon, la pendule qui est à zéro là, c'est pour qui? Jésus lui dit, laisse tomber. Ça, c'est pour Marie, puisqu'elle n'a pas fait de péché.
Et celle qui a trois là, c'est pour qui? Jésus lui dit, laisse tomber. Ça, c'est pour Pierre. Il m'a renié trois fois. Ça fait trois péchés. Quand il se tourne, il voit une autre pendule. 528. Il dit, Jesus. C'est sûr que celui-ci aussi est déjà mort. Jésus dit non. Celui-ci dit 528. Jésus dit bien sûr. Il dit à Jésus que bon, ok, ça c'est pour qui? Jésus lui dit ça, c'est pour Macron. Il a épousé sa mère. Après le pape dit, hey, donc il y a aussi les pendus des présidents. Jésus dit bien sûr. Il dit à Jésus que ok, s'il y a aussi les pendus des présidents, il y a la police ici. Tu peux t'amuser, après on te sort le gros français. Vous pouvez dire ça dans les milieux sûrs. Les milieux sûrs, comme ça, ce sont les menottes qui t'accompagnent. Il dit à Jésus que bon, s'il y a aussi pour les présidents. On a parlé des présidents. Bon. Donnez-moi le courage. Et s'il y a aussi pour les présidents, montre-moi pour Popol. Qu'est-ce qu'il y a aussi pour les présidents, montre-moi pour. Ah oui. On a pour les présidents. Merci beaucoup. Merci, merci, la vraie. Il dit à Jésus que s'il y a aussi pour les présidents, montre-moi pour. Ah, vous voulez qu'il parle de cela? Parlons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a aussi pour le président? Montre-moi pour. Jésus lui dit que Popol n'est pas dans sa chambre. C'est chez Dieu. Comme ça tournait vite, Dieu a pris ça pour utiliser comme ventilateur. Merci. Moi je ne piétine rien. Tes chaussures de Kouloulum là, mon frère. Moi je suis un gars bien gentil, poli, calme, qui ne fait rien à personne. Dans la salle, vous verrez quelqu'un qui va vous proposer les CD de l'artiste Coco dans sa dernière trouvaille, Chronologie. C'est un récital musical. Mesdames, messieurs, on vous a déplacé. Vous êtes venu, vous êtes dans la salle. Ça là, je sais que vous on va suivre, ça pour un autre entendre, pour voir la création.